Nous pensons à nos frères soldats qui sont morts du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Nous pensons à toutes ces victimes, à ces déplacés, ceux-là qui sont morts dans les forêts, ceux-là qu'on ne retrouvera plus jamais leur corps. Nous pensons ici à Ouazizi. Et nous vous disons, je vous jure que nous allons sortir. Si le corps électoral est convoqué, si, en plus de cela, il n'y a pas une refonte du système électoral, nous allons sortir. Appelez ça comme vous voulez. Insurrection, coup d'État, renversement de l'ordre établi. Je vous dis, nous allons sortir, marcher pacifiquement pour demander le renversement de ce régime. Je vous remercie. Mes chers frères camerounais, sœurs et frères, j'insiste, camerounais, il est temps pour les Camerounais de révolter pour leur pays. Si vous nous voyez en noir, mes chers Camerounais, c'est parce que nous sommes en deuil. Les larmes coulent de nos yeux, ça coule dans nos âmes. Nous sommes baignés de larmes à cause de nos bien-aimés, frères, qui finissent au Nozo, au nord-ouest, à l'extrême nord, dans tout le pays que nous connaissons tous. Les petits-enfants, hier, ils ont encore été atteints. Les jeunes Camerounais qui doivent remplacer le régime actuel. À l'heure actuelle, leur pays, leur famille pleure. Alors nous disons non à toutes ces choses, à tous ces meurtres, à tous ces morts. Nous sommes fatigués, je le répète, nous sommes fatigués. Le Tchad est fatigué d'entendre de telles choses. Et maintenant, nous disons non. Si vous voulez convoquer le corps électoral, arrêtez d'abord la guerre, le sang qui coule, les armes qui crient. Nos frères policiers, gendarmes, militaires sont morts. Les familles pleurent, les élites de leur famille. Alors nous disons non au corps électoral que vous voulez faire. Nous disons non à toutes ces choses. Alors, mes bien-aimés frères, le département du Tchad et l'Obo, l'arrondissement de Sangalima, dit non. Et si vous n'arrêtez pas, nous avons le bilan de Sangalima jusqu'à Etoudi. Que ça cesse.